por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Que se passe-t-il? Ah, tu ne peux pas procéder au divorce, c'est ça? Bon, ma Roja, conseille-moi quelqu'un d'autre. L'important, c'est que ça se fasse vite, d'accord? Il ne s'agit pas de ça, Anna Julia. C'est quelque chose de plus complexe. Comment ça, plus complexe? Que se passe-t-il, ma Roja? Anna Julia, il vaut mieux que tu restes mariée à Reynaldo. Comment? Mais enfin, pourquoi? Pour une raison vraiment très simple. Toi, tu ne peux pas divorcer jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qu'Andrea Carolina est ta fille. Stop, 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 stop. Comment ça? Que dis-tu, Maruja? Comment ça? Je ne peux pas... C'est pas... Comment ça? Je ne peux pas divorcer avant qu'ils ne reconnaissent qu'Andrea Carolina est ma fille. Mais je ne comprends pas. Anna Julia, c'est un conseil que je te donne. Mais si, mais ces deux choses n'ont rien à voir ensemble, Maruja. Je sais, mais c'est une façon de mettre la pression à Valeria. De quelle façon? De quelle façon? Anna Julia, Valeria doit être super désespérée parce que son mariage avec Reynaldo a été annulé. Ce qu'elle attend, c'est que tu signes le divorce pour qu'elle se remarie avec lui. Ah oui? Et à la fin de l'histoire? Bravo, ils se remarièrent, ils furent heureux pour toujours, et alors? Quel est le problème? Anna Julia, tu ne comprends pas que c'est la meilleure manière d'obliger Valeria à dire la vérité une fois pour toutes? Hey, mamie! Ça, c'est la voix de Juancho. Ça, c'est l'appartement. Hey, mamie! Tu es toujours la plus belle de l'immeuble, hein? Un bisou! Tu me plais, ma belle. Je suis en chaleur, là. Tu sais quoi? Cette fois-ci, j'ai du temps pour nous deux. Hey, mamie! Mais bon, Corinna, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ma grande, tu rentres ou tu ne rentres pas? Tu t'en vas? Ah, tu vas dégonfler, pas vrai? Ou tu vas rentrer et l'affronter? Alors, ce sera la fin de ton mariage. Maruja, Maruja, le simple fait que je passe tant de temps dans cette maison en compagnie d'Andrea Carolina met suffisamment la pression à Valeria. D'ailleurs, elle me l'a dit aujourd'hui. Anna Julia, Anna Julia. Bien sûr, c'est clair. Elle doit être morte d'angoisse parce que tout le monde doit se demander ce que tu fais toute la journée là, collée à cet enfant. Et alors, toi-même tu le dis, Maruja,
Maruja, tu vois. D'ailleurs, je ne crois pas que ça va encore durer bientôt. Bientôt, elle affrontera la situation devant Ronaldo et devant tout le monde. Ana Julia, s'il te plaît, je pense que tu dois rester mariée à Ronaldo de toute façon. Pourquoi ? Pourquoi ? Voyons, Ana Julia, que penses-tu faire en tout premier après avoir divorcé de Ronaldo ? Aller vivre avec Roque ? Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ? Bien sûr, tu le sais depuis longtemps. Oui, Ana Julia, ce que j'ignorais, c'est que Roque est accusé d'homicide et qu'il est recherché par la police. Parce qu'ils ont monté un dossier contre lui. Inventé ou pas, ce dossier existe, Ana Julia. Et ça te portera préjudice au moment où tu réclameras légalement ta fille. Mais comment Ronaldo ose-t-il me faire ça? Comment ça? Pourquoi se dépêcher? Pourquoi? Ah, est-ce que... Il serait pas en train de se moquer de moi avec le divorce? Ah, mon Dieu. Et en plus, Ana Julia qui attend que je dise la vérité, mais je ne le dirai jamais. Pas question, je ne renoncerai pas à ma fille. Ah, mais si Ronaldo n'accélère pas le divorce, comment je vais faire? Salut. Salut. On peut savoir où tu étais ? J'étais parti pour louer un film, mais il n'y a rien. Tu m'es vraiment tenté. D'accord. Et toi, que se passe-t-il ? Tu en fais une tête ? Moi ? Non, rien, ça va. Rien, pourquoi tu dis ça ? Non, ce n'est pas possible, Maruja, c'est pas possible. Si, c'est possible, Ana Julia, c'est possible. Et je te le dis clairement et franchement pour que tu saches où tu en es, Ana Julia. S'il te plaît, le fait que ton conjoint soit fiché par la police ne t'aidera pas quand tu réclameras ta fille. Mais Roque est innocent. Ça, tu le sais, et lui aussi le sait. La justice est vraiment très stricte dans ces cas-là, Ana Julia. S'il te plaît, ma chérie, dis-moi quel juge va te donner la garde et les soins de ta fille alors que tu vis avec un criminel. Mon Dieu, personne ne te sauverait d'un tel jugement pour la tutelle de ta fille. Maruja, le juge ne saura rien, il n'a pas à savoir. Ah, non. Bien sûr, parce que Valéria ne va rien leur dire. Valéria n'est pas une sainte. Jusqu'à quand vais-je te le répéter? Quel type de femme est-elle? Ana Julia, s'il te plaît, elle utilisera tout ce qu'elle peut pour gagner cette bataille. Je te parie ce que tu veux qu'elle mettra la main sur le dossier de Roque pour te porter préjudice. Tu crois ? Bien sûr. Je le ferai moi aussi pour une enfant comme Andrea Carolina. Pas toi ? C'est pas possible. Ana Julia, Ana Julia. Pardonne-moi de saboter tous tes plans, Frangine, mais il fallait absolument que tu saches tout ça. Ma puce, stop, stop. Doucement, ma puce. Ouais, doucement, petit à petit. Bien, ne relâche pas ma puce. Ça vient, ah, je le sens. Voilà ma puce, c'est ça, c'est mieux. Continue que j'en termine une bonne fois pour toutes. Tu jouais en lui disant ma puce? Oh, c'est l'ordure. Allez. Mais vas-y. Et voilà, comme ça. Et comme ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon comme ça. Ah, je me sens mieux. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la fille, cette invitée spéciale? Beau bout de femme, pas vrai? Toute belle comme ça. C'est la première fois que Monsieur Cailleux amène quelqu'un pour un dîner en femme. Oh, écoute, attends une minute. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une vraie tête. J'ai entendu par ici qu'elle avait un doctorat, un master, qu'elle était directrice de je ne sais plus quoi.
Voilà pourquoi Monsieur Caillot ne sait pas où la placer. Il ne l'a pas quitté des yeux de tout le repas. Vous n'avez pas vu? Oui. Non. Et que pensez-vous du look qu'il avait? Il portait un jean, ma grande. Et il marchait comme un pont qui faisait sa queue. Hey, n'oubliez pas, les filles, c'est éteint les cheveux, enlever sa gomina. Arrêtez un instant. Alors, je vais te dire une chose. Cette blonde-là, il l'a nommée adjointe à la présidence de l'entreprise. Ne soyez c'est pas surprise qu'un de ces jours, cette femme se réveille en président, Monsieur Caillot lui-même. Oui, je vois ce que vous allez raconter comme bobard, hein, concierge. Comment pouvez-vous penser que Monsieur Caillot ait de telles intentions avec cette fille, hein? Hein? Retournez à votre travail! Retournez à vos affaires! Vous n'avez pas à parler dans le dos des gens! Allez! Je vais vous voir tous au travail en train de frotter! Ah! Non! Bulldog! Vous avez raté la tête de Bulldog de la mère d'André, de l'imbécile, là, de ma... de Madame Paola! Ah, tu n'en perds pas une, hein! C'est bizarre que cette porte soit ouverte. Le docteur ne fait pas ça d'habitude. Je n'ai plus qu'à être patiente et attendre mon tour. Ah ! Ah, le pauvre mon Dieu, ça a l'air de faire mal. Mais Dulcé, ma grande, que fais-tu à ce pauvre garçon? Roger! Et voilà. Ah non, mais ça, c'est pas possible, franchement. Chérie! One Show, mon amour, je ne savais pas que c'était toi qui criais la sorte. Elle est en train de me tuer. Ah, un ministre, un traitement de choc. Ce n'est pas vrai. Tu es très douillé, très douillé. Reste avec moi. Non, reste avec moi, Maruja. Je sais, je reviens lundi, qu'en penses-tu? C'est mieux? Ok, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Parce que... Donne-moi la main. Non, moi, je dois y aller. On y va. À bientôt, Dulcé. Princesse! Mais écoute, ma puce. Non. Attends, parce que... Ouvre la bouche. Du calme, laisse-moi tranquille. Ouvre la bouche, allez. Vraiment, tu m'as fait trop de mal. Allez, ouvre ta bouche. Alors, Yalandia, l'heure est arrivée. Demain, c'est le début de la fin pour ce dégénéré de Caillot Gabaldon. Bien que le Saint-Père et tous ses saints t'accompagnent. Écoute, l'Indien, tu ne crois pas que ce sac pèse déjà assez lourd comme ça? S'il te plaît, ne le mets pas en plus sur mes épaules. Bon, je te veux sain, sauf et en vie. Amen. Et il te manque quelque chose, hein? Rapporte tous les enregistrements et les vidéos de toutes les saloperies que fait cette ordure là-bas, hein? Oui. Alors? On y va? Attends, Charlie. Ça m'inquiète beaucoup, Margarita, que vous alliez comme ça avec Charlie dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est comme ça? Je ne peux pas te dire ce qui se passe avec l'enfant de Sébastien. C'est un sujet très sensible, Arturo. Bon, très bien, d'accord, si tu le dis. Merci de te comporter aussi bien avec nous. Non, de rien. Au contraire, j'aurais bien voulu pouvoir en faire plus. Tu en as déjà fait beaucoup. Je te promets que je viendrai te voir ce week-end, d'accord? Je vais compter les jours. Creo que me estoy volviendo loco. Excuse-moi pour mon oncle. D'accord, t'inquiète pas. Creo que me estoy hundiendo un poco.
por cada día que pasó sin tu mirar. Y es que sin ti me siento como un barco sin timón. Y es que sin ti abrir los ojos no tiene razón. Bon, l'Indien, fais bien attention, hein. Les yeux bien ouverts, devant et derrière, hein. Tout ce que tu peux entendre, alors reste vigilant. Sois très prudent. Oui. Je me fiche que vous m'ignoriez. Je vous l'ai déjà dit. Je viens avec vous, que vous le vouliez ou non. Écoute, Rambo 3, hein? Ce n'est pas une colonie de vacances, tu piges? C'est... Écoute, ce n'est pas Disney. Tu me comprends? Ce n'est pas Disneyland. Non, 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 je n'y vais pas dans cet état d'esprit. Écoute-moi bien, c'est une affaire d'homme. Alors si tu préfères ton plan colonie, c'est de l'autre côté. Je l'ai déjà dit, je ne suis parti pour aucune colonie de vacances ou pour faire du tourisme. Alors on y va? Ou on perd notre temps? Écoute, voilà. Si tu tombes, ce n'est pas mon problème. Si tu fatigues, ce n'est pas mon problème. Si tu as faim, tu es malade, tu as soif, ce n'est pas mon problème. S'il te tire une balle entre les deux yeux... Oui, oui, ce n'est pas non plus ton problème. Bon, que Dieu le préserve alors. Allez, salut l'Indien. Courage, mon petit. Tiens, ma grande. Du café. Merci. Mince alors, quel dommage que je n'ai pas été présente quand tu as eu cette conversation avec le père de Sébastien. Pourquoi? Bon, parce que moi, je ne serais pas restée sans rien dire. Et qu'est-ce que tu aurais dit? Que les choses ne sont pas comme il le dit. Non, ma chère Margarita, cet homme a raison. C'est mieux qu'André reste avec eux. Quoi? Bon, une minute. Mais alors, pour quelle raison dois-tu accepter que cet imbécile de Paola reste avec ton fils? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers à destination de Santa Elena doivent se rendre au quai numéro 5. C'est l'heure, ma chérie. Allons-y. Je demande à la Vierge que mon fils me pardonne un jour. Qu'André me pardonne tout ce désastre. Partons. Ah, il a passé toute l'après-midi avec cette femme-là, qu'il a pour maîtresse. Et après, il vient au lit, comme si de rien n'était, hein. Bon. Eh bien, on va voir si c'est un vrai mal. Ma puce, franchement, t'as failli me faire mal, ma puce. Caio, bienvenue chez toi, notre chef, mon frère. Ah, quel bonheur, quel honneur de te voir ici. Mais assieds-toi, mets-toi à l'aise, allez, assieds-toi, s'il te plaît. Stop, Attilio. Arrête les flatteries. Mais ce n'est pas une flatterie, Caio, mon frère, mon chef. Écoute ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage des gentlemen de la déférence. Bon, si tu préfères rester debout, bien que j'aimerais bien me lever pour voir cette teinture que tu as mise sur tes cheveux, parce que, regarde, voir si tu me l'as conseillé, parce que je sais pas ce que ça va donner. Bon, mais tu vois bien, je ne peux pas me lever. Ah! Attilio, qu'est-ce qui est arrivé à ce dynamiteur qui nous avait menacés? Tu te souviens de lui? Tu n'allais pas recruter une espèce de Rambo local pour l'effacer de la circulation? J'allais pas le recruter. Je l'ai recruté. Ah. Mais l'homme s'est révélé être un zéro. Écoute, c'était plutôt Cendrillon que Rambo. Alors je l'ai renvoyé. Il valait rien du tout. Et il faut dire que vous êtes tous bien lâches. Quand as-tu vu que ça explose sans qu'on l'allume?
Il est marrant, hein? Eh bon, ça n'explose pas si tu l'allumes pas. Ah, c'est bien vrai. Hey! Hey! Écoute! Il n'y a pas d'eau par là? J'ai fini la mienne. Hey! Ton dynamiteur était en réalité Roquet. Okay. C'est-à-dire le même Rambo local que tu avais recruté pour le tuer. Mais Caillou, je n'en savais rien. Ce type m'a trompé. Bien entendu qu'il t'a trompé, imbécile! Ce que tu mérites, c'est un autre tir, mais dans la tête, pour arrêter d'avoir des idées aussi ridicules. Une question, Caillou. Comment as-tu appris que ce Rorke était le dynamiteur? Parce qu'il avait une cachette secrète chez lui, remplie de dynamite. Je vous dis que c'est plutôt à vous de m'offrir ce travail. S'il te plaît, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. On a tant parlé du dynamiteur qu'il est tout rouge et qu'il pense qu'on va le faire exploser maintenant. Hein? Bon, Caillou, on s'est planté là-dessus. Mais ce qu'on a, j'en suis sûr qu'on va le faire sauter au plafond. Quand on parlera aux hommes de Maria Ruiz, qui vont nous attendre là-bas, dans les tranchées, on va conclure un marché qui, tu peux me croire, nous permettra de ne plus avoir de concurrence dans toute la jungle. Et comment vas-tu t'y prendre? Bon, Jairo et moi, on va aller dans la jungle pour contrôler la zone. On va aller dans la... Tu dis on va aller. Ce n'est pas un peu trop de gens? On y va? Où est-ce que tu vas bien pouvoir aller, toi, dans l'état où tu es? Où pourrais-tu aller avec des jambes cassées? C'est vrai, les jambes cassées. Non, calme-toi. Ne t'inquiète pas, je vais personnellement m'occuper de ce sujet. Oui, Caillou, mais de toute manière, Jairo ferait mieux de t'accompagner parce que Jairo connaît très bien le coin et il sait dealer avec ces types, hein? Oui. Écoute, Anna Julia, tu vas devoir me donner ton numéro de téléphone, d'accord? Parce que si je l'avais eu, je t'aurais appelé pour te raconter ce qui s'est passé avec la petite aveugle. Avec la petite aveugle? Charlie est venue ici? Ah oui? La pauvre, elle a pleuré à cause de la petite imbécile de... Bon, Madame Paola. Imagine, elle l'a rembarrée parce qu'elle a pas voulu que Charlie le prenne dans les bras. En sachant que c'est son fils. Ah oui, tu te souviens de Charlie parce que quand elle est venue me voir en prison, elle était enceinte. Oui, ce que je ne savais pas, c'est que le petit garçon que je garde, c'est le sien. Ah, et alors, que s'est-il passé? Bon, écoute, elles se battaient toutes les deux là, pang. Mais bon, le vieux est arrivé, ce type là, Monsieur Caillot, et il a emmené Charlie dans son bureau. Et alors? Ah, cette jeune fille est sortie complètement retournée. Elle pleurait. Regarde, elle a dit au revoir à son fils en pleurs et elle est repartie avec son amie l'Indienne. Oh, pauvre Charlie. Qu'a bien pu lui dire Monsieur Caillot? Ah mince alors, enfin! Grâce à Dieu! Vous allez bien? Ah, on est fatigué, mon oncle, du voyage en bus. Mais bon, ça va. Et on peut savoir où vous étiez? Ah, on a été à Caracas, mon oncle. Vous avez été voir l'enfant, et alors il va comment? Mince alors, mais ça s'est si mal passé que ça! Paola. Hey, comment ça va, Anna Julia? Et Andrea? C'est bizarre que vous ne soyez pas ensemble, parce que dernièrement, vous êtes inséparables, non? Oui, comme toi et André, non? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé hier avec Charlie, Paola? Avec Charlie? Bon, bah rien, elle a débarqué ici, vraiment agressive, avec une de ses amies indiennes.
à me critiquer parce que j'étais avec Andrés. Bon, mais comme je suis bien éduquée, je lui ai rendu son garçon, tu vois ? Oui, n'est-ce pas ? Oui. Bon, après, je n'ai pas su plus parce que mon beau-père l'a emmené à l'intérieur, mais... Je ne comprends pas, Anna Julia. Pourquoi Charie donne l'enfant à Sébastien si ensuite elle fait un scandale pareil ? Ah non, ma grande, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Tu ne trouves pas ? Bon, je dois partir. Bye bye, Anna Julia. Mouah. Bye. Pourquoi Charie ne m'appelle pas ? Où est-elle ? Si au moins Roque m'appelait. Attends une minute, tu l'as suivi ? Bien sûr, ma vieille. Tu crois que je vais rester les bras croisés ? Non, Valéria. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'as-tu trouvé ? Eh bien, c'est ce que j'imaginais. Juancho a une maîtresse. C'est vraiment celle de la clé carrée. Je suis sûre que cette clé est celle de son appartement, Valéria. Vraiment ? Mais, attends une seconde. Mais qu'est-ce que tu as fait, alors ? Mais tu es folle ! Bon, mais que vais-je faire, ma grande ? Voilà, quand j'ai entendu qu'il parlait sur son portable, avec cette fille, et c'était du « ma puce par-ci, ma puce par-là », alors quand j'ai entendu qu'il lui disait qu'il allait la voir, alors je l'ai pris en filature, tu sais, hein ? Mais bon, rien, quand il est sorti, je l'ai suivi. Pas mal, c'est bien que tu sois si courageuse. Ah non, ma fille, le pire, c'est quand je suis arrivée devant la porte de l'appartement et tout. Et tu es rentrée ? Ne me dis pas que tu l'as vue, Corinna. Mais non, tu n'y penses pas, qu'est-ce que j'allais faire là-dedans ? Ce que j'ai entendu m'a suffi largement. Ah mon Dieu, tu ne peux pas t'imaginer ce que ça a été. Non. Je sais, j'imagine bien ce qui t'est arrivé, Corinna. Non mais attends, pour qui il se prend, Juancho, hein ? Écoute, Reynaldo n'a qu'à bien se tenir, il n'a pas intérêt à me tromper. Que Dieu m'écoute, parce que je le tue, je te jure, je le tue. Allons-y. Mais oui, Juancho. Je suis arrivé chez elle avec une énorme pizza, la même que nous mangeons tous les samedis quand nous étions mariés. C'est vraiment romantique tout ça, frérot. Et ça s'est passé chez Maruja ? Hein ? Eh oui, frangin, oui. On a passé un bon moment, tu sais. On s'est rappelé le bon vieux temps. Et moi qui étais sur le point de me pointer à l'appartement avec ma clé ? Hey ! Tu n'as pas l'air bien, tu sais. Je ne sais pas, tu ne joues pas un jeu dangereux ? Pourquoi tu dis ça ? Tu le sais bien, hein ? Pourquoi, c'est un problème que je mange une pizza avec Anna Julia ? Ça va, tu ne vas pas me la faire à moi. Moi, je pense que tu devrais plutôt accélérer ton processus de divorce avec Anna Julia. Ray, ce que tu veux, c'est être heureux avec Valéria. Tu veux être bien avec Valéria. Alors divorce, parce que sinon tu vas directement dans le mur. Je te le dis. Juancho, je verrai bien ce que je fais, d'accord ? Je verrai. Pour maintenant, bon. Depuis que je sais que ce fameux Roquet a de sérieux problèmes, j'ai encore moins envie de divorcer d'Anna Julia. Non, monsieur. Je ne permettrai pas que ce type lui porte préjudice. Pas si je peux l'éviter. Merci. Écoute, on est bientôt arrivé dans cet endroit-là, la tranchée. Parce que je vais te dire une chose. Pour l'âge que tu as, Roquet, tu as une très bonne condition physique. Mais qu'est-ce que tu veux dire par « pour l'âge que tu as » ? Est-ce que tu sous-entends que je suis vieux ? Je n'ai pas dit que tu étais vieux, mais... Ah bon ? Mais tu m'as compris. En pleine forme, s'il savait. En ce moment même, j'ai mal aux sourcils. Regarde-le donc. Ce type est frais comme un gardon. Et toi ? Épuisé et oxydé, pauvre Sébastien. Lequel me surprend. Celui-là doit être sur le point de baisser les bras. Aucun youpi commun n'aurait supporté cette course. Mais s'il pense que je vais baisser les bras, il se trompe. Tout mon corps me fait mal, mais je continue jusqu'au bout. Même si je dois arriver à genoux. Ah, non, mon oncle. On est sorti bredouille de chez Sébastien. Mais pourquoi ça ? Bon, parce que nous sommes arrivés et on est tombé sur Paola. Très sûre d'elle-même, qui jouait à la maman d'André. Je ne peux pas le croire ! Oui, si Margarita n'avait pas attrapé et ne lui avait pas arraché l'enfant des bras, elle serait partie avec lui
Et alors je n'aurais pas pu le porter comme ça, un petit moment dans mes bras, j'ai l'impression de l'avoir perdu. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas réussi à parler à Sébastien. Ce lâche n'a même pas daigné se montrer. Comment pouvait-il vous voir puisqu'il est ici? Comment? Et que fait Sébastien ici? Il est parti avec Roquet dans la jungle. Hein? Et qu'est-il arrivé à mon père? Il est devenu fou. Comment peut-il partir dans la jungle pour affronter son ennemi et avec Sébastien? Bon là, je ne comprends pas. Comment est-ce possible si Roquet déteste Sébastien? Oui, c'est vrai. Ils ne se supportent pas une seule minute tous les deux. Quoi? Est-ce qu'ils se sont parlé? Oh, j'espère qu'ils se sont réconciliés sur la route. Parce que tu connais ton père. Il est sorti en trombe. Et le pauvre Blondinet n'a réussi qu'à le suivre de loin. Toudou. Et pourquoi ris-tu, imbécile? Et maintenant, qu'est-ce qui arrive à la fifille à papa? Elle a fini par se calmer? Bon, n'oubliez pas, mademoiselle Paola, qu'à partir de maintenant, pour que je prépare votre jument, vous devez me dire les mots magiques. S'il te plaît, Benjamin. C'est ça, oui. Tu peux toujours rêver, mon pauvre vieux. Pauvre type. Salut, ma princesse. Oh, les jolies miches. Ne t'avise pas de remettre tes sales pattes sur moi, tu as compris? Pauvre type. Mais pourquoi ris-tu, imbécile? Porque en él ves la ternura y en mí ves la pasión. Porque yo soy tu locura y él es tu dulce amor. Quisieras combinarlo para ser uno de los dos. Merci pour le café. Et ne crois pas que je n'ai pas été dans cette jungle. J'en ai même gardé des traces de guerre, de mon passage ici. Des mercenaires m'ont rattrapé, parce qu'ils m'ont confondu avec un dynamiteur. Et ça, c'était plutôt désagréable. Ils m'ont emmené dans une pièce et ils m'ont roué de coups. Je vais me le faire. Je n'oublierai jamais le nom et la tête de cette espèce d'enfoiré. Jairo. Bah, Tio, si vous voulez, vous me le laissez, je vous décharge. Vous allez tâcher votre chemise. Non, Jairo, non. C'est un plaisir et je ne vais pas m'en priver. C'était celui qui obéissait aux ordres. Sois tranquille, ton heure ne va pas tarder. Je me rappelle très bien. J'ai failli y rester ce jour-là. Écoute, ce dégénéré qui a ordonné de te rouer de coups est l'associé de la crapule qu'on va éliminer. Alors dites-moi, où on va maintenant? Allô? Anna Julia? Salut, c'est Margarita. Margarita? Ah, Margarita, je suis contente de t'entendre. Où es-tu? Où est Charlie? Oui, on va bien. C'est bon, on est rentré au village. D'accord, je te la passe, d'accord. Allô? Anna Julia? Charlie, que s'est-il passé? Ton père m'a appelé hier pour me prévenir que tu étais partie, que peut-être tu venais à Caracas et j'étais inquiète, j'attendais ton appel. Bon, j'étais très triste, Anna Julia, voilà pourquoi je n'ai pas appelé. Mais que s'est-il passé? La nounou d'André m'a dit que tu étais venue, que tu étais repartie en pleurant. J'ai parlé au père de Sébastien. Et bon, il a raison. C'est mieux qu'André reste là-bas avec eux, mais bon, voilà. Cette décision me fait souffrir parce que... Bon, parce que je suis sa mère, mais qu'est-ce que je peux y faire? Oui, je te comprends. Écoute, André, tout près de moi. André, viens, viens. Viens, André. Viens, je te passe ta maman. C'est ta maman. Viens, dis-lui bonjour. Viens lui dire bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Salut, mon amour. C'est ta maman. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je t'aime, mon amour. Oui.
Luigi. Dis donc, ma belle, j'ai l'impression que ça t'a plu, pas vrai? Mais non, c'était dégoûtant. Pourquoi tu vas encore me frapper, hein? Pour abuser de moi, voilà, pour abuser de moi. Si tu me frappes encore, je t'embrasse. Si tu me frappes encore, je t'embrasse. Je t'embrasse. Tu es fou. C'est dégoûtant. Laisse-moi. J'étais policier à Caracas. Détective. J'étais heureux, tu sais. Avec mon épouse, ma fille. À ce moment-là, j'avais à ma charge un cas important, tu vois. De ceux qui te mettent derrière les gros poissons, où je pouvais attraper un véritable gros poisson. C'était le cas du type qui vous a incriminé alors, celui de votre ennemi. Ouais, c'est ça. Vous savez que j'étais derrière lui, que j'avais toujours plus de preuves. C'est pour ça qu'il vous a déclaré la guerre, pas vrai? Oui. Oui. J'étais sur le point d'être promu commissaire. Vous savez que cette position allait faciliter l'établissement d'un dossier à charge contre lui. C'est un type qui est devenu riche du jour au lendemain. Uniquement grâce à ses magouilles. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est pourquoi si vous disposiez de telles preuves, tout a fini à l'envers. Pourquoi, avec toutes ces preuves contre lui, tout s'est mal terminé? Parce que ce lâche, car il faut être un lâche, plutôt que de m'attaquer, s'en est pris au mien. Il a voulu toucher à ce que j'avais de plus sacré. Ma famille. Dans le dossier, dans le soi-disant dossier de la police, là où il vous accuse d'avoir tué votre femme, il y a des preuves de balistique. Ils ont même trouvé l'arme du crime sur les lieux. Comment expliquez-vous ça? Comment se fait-il que Roquet soit avec Sébastien dans la jungle Charrie? Il ne t'a rien dit à toi non plus? Alors mon père ne t'a rien dit? Non, on s'est parlé hier, il m'a dit que tu étais parti, mais que sont-ils partis faire là-bas tous les deux? Je ne sais pas, mais j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose d'horrible. J'ai peur rien que d'y penser. Non, Charrie, stop. Stop, on va être optimiste, d'accord? En plus, ton père sait très bien prendre soin de lui et Sébastien n'est pas bête. On va prier pour que tout aille pour le mieux, d'accord? Tout va bien se terminer, on aura enfin la paix que l'on veut, Charrie. Tu vas voir, mon enfant, Dieu est mon témoin, tout finira bien. Oui, que Dieu le veuille, que la Vierge les protège. Écoute, Anna Julia, tu peux... Bon, dire à mon bébé que je l'aime énormément. Fais-lui un bisou et un bisou pour toi aussi. Écoute, le jour où ils ont tué mon épouse, ils m'ont pris par surprise, tu sais. Quand j'ai voulu me défendre, il était trop tard et mon épouse était déjà morte. Et votre arme? Ben en fait, c'est que ce salaud avait déjà corrompu la moitié du commissariat. Ils ont pris mon pistolet, les balles, et ils m'ont inventé une fausse preuve. Pour m'accuser de l'assassinat de ma propre épouse. Mais vous n'aviez pas un ami comme collègue, quelqu'un dans la police pour vous aider? Je ne sais pas. Quelqu'un? Difficile. Écoute,
Un détective qui prend du galon comme commissaire n'a pas beaucoup d'amis. Ceux que j'avais ne pouvaient pas faire grand-chose. Je comprends maintenant. Mais non satisfait d'avoir tué mon épouse, mais l'a menacé aussi ma fille. C'est pour ça que tu te caches ici, dans cette jungle, pas vrai? Oui, regarde, depuis ce jour, on n'a plus de paix. Jusqu'à aujourd'hui, parce que ce cauchemar se termine. Aujourd'hui. Roquet, je te promets que l'homme qui a fait tout ce mal paiera pour tout ce qu'il a fait. Écoute bien une chose. Sébastien. Cette guerre est la mienne. La mienne. Seulement la mienne. Je veux pas que tu mettes ta vie en danger. Ce qui est arrivé à ma famille, c'est tout à fait suffisant. Je fais partie de la famille maintenant, que tu le veuilles ou pas. Je suis le père de ton petit-fils. Alors dis-moi plutôt, Roquet. Quel est le plan? Où se cache ce type? Reste ici. Viens avec moi. Avec moi, Andrea. Qu'est-ce que tu fais, petit père, alors? Sors ce pied de là. André, voilà, comme ça. Viens, petit prince. Viens ici, viens avec ça. Viens là. Que fait la tornade de la maison? Oh. Bonjour. Bonjour. Ma princesse. Je raconte ses poupées. Hey. Comment va la marionnette? Pouette, pouette. Regarde-moi ça. Ce sont des anges. Allez, viens par là, bon, lui, c'est une tornade, hein. Ça va? Tu te rends compte? Voilà Anna Julia, comme toujours installée avec Andrea. Et Reynaldo, dès qu'il la voit, il arrive en courant vers elle. J'ai la haine. Viens, tu m'accompagnes, je vais chercher Andrea. Non, ma puce, tu es folle. Je ne m'approche pas d'Anna Julia, je suis désolée. Ah non? Et pourquoi? Non, ma puce. Papa, oh, voilà, tombe, c'est super. Viens ici, petite princesse. Tu es chaque jour un peu plus lourde. Elle mange. J'arrive, je l'embarque avec moi. Mais reste calme, je te la ramène. Je te le promets. Un instant. Il vaudrait mieux. Ok. Moi aussi. J'amène mon grand pote pour jouer. Tu me prêtes tes jouets? On va voir les tambours. On arrive, d'accord? Ah, ne tardez pas trop, hein. Écoute, où est ton père? Où est Sébastien? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Salut Anna Julia. Anna Julia, je peux te parler? Ah oui? Et j'imagine déjà de quoi il s'agit, parce que toi et moi, on a une seule chose à régler. Oui. C'est justement de ça dont je veux te parler. Écoute. Bon, Anna Julia, tu dois divorcer de Reynaldo le plus vite possible. Sinon, je ne lui dirai pas la vérité. A tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de